Initiating system 1. System 1 loaded. Et hoyo, c'est Gunshow et aujourd'hui c'est de retour pour continuer mon aventure. Donc pour l'autre, on va dire, épisode dernier, je suis arrivé ici et j'ai vu qu'il y avait une station de pompage. Donc je me suis dit, bon, ben bref, c'est sur le chemin, on va rentrer dedans et on va voir qu'est-ce qui se passe. Si j'ai des fangeux, des ghouls, n'importe, tous en même temps. Donc voilà, ça sent un peu le gaz. Ça sent vraiment vraiment le gaz, donc je vais éviter de prendre une arme avec du gaz. Je sais que j'ai looté une arme assez intéressante, le flambeur. Je sais pas si vous vous rappelez cette arme dans Fallout 3. Je crois que ça me l'a... Je crois que ça a cramé, non? Non, apparemment ça crame pas, mais... pour ça. Hop là. Voilà. Fantastique. Pourquoi cramer? Je voudrais pas finir comme un... Rien à faire. Ok. C'est bloqué. C'est coincé. What the f... Y'a un pour m'aider ça? Ok. Attendez. En cafetière, non? Poste, jambe droite. Je crois que je suis tombé dans un... dans une salle. Comment je peux entrer dans ça, moi? Y'a pas d'indice? Ah, c'est fichu. C'est cassé. Bon, je pense en fait ça va être avorté parce que je sais point le mot de passe. Et perso, j'ai pas envie de regarder sur internet pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, donc je verrai ça plus tard. Au moins, ce qu'il y a une note quelque part, qu'il y a un truc, je sais pas, je vois pas. Bon, y'a rien en fait. Peut-être quelque chose d'intéressant, mais. 3. Ok. Je ne sais pas à quoi ça correspond, donc ça on verra ça plus tard. Hein. Désolé les amis, mais ça je vois plus tard. Hein. Ok. Hein, je pensais, je me faisais une joie. Ah, je vais aller à la station pompage, mais en fait il y a un mot de passe que je ne connais strictement pas. Donc c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Donc on va sortir et on va se dire, ben, la prochaine fois quand j'aurai un mot de passe. Ok, bon, là on se bouge par contre. Oh, une gueule. Oh, chic. Eh, la gueule! Oh, putain, j'ai découpé en bon uniforme. Portez quelque chose si vous voulez. Ouais, je sais. Qui est là? On va s'éclater! Ok. C'est moi qui m'éclate, ouais. J'ai du sang dans les yeux! What the fuck? Ah, moi les mines... Hein. Si elle est plus puissante.
What the fuck? Saleté! Saleté! Pourquoi tu me tues? C'est pour ça que tu mourrais comme ça? Ouais. Touche panier, la braille est vide. Tu m'as fait peur, tu finiras dans mon estomac. Ok, je peux pas accéder à toi. C'est fantastique, tout le monde y a accédé. Ah ouais, tout à l'heure, il y a, on va dire, j'ai regardé ça en revenant dans la partie, c'est que j'ai un point à signer. J'ai un fucking point à signer. Ok, c'est mon carte. Ah, c'est dans ce point. Donc, ouais, je vais la signer chez niveau 37. Oh bah mais un mur et ça. Voilà. Alors mon arme maintenant en chambre il fait un peu plus de dégâts. C'est qui? Hey. Je vous en supplie. Vous avez du radoway. Je crois que je vais mourir. Vous pensez que vous allez mourir? Si je me soigne pas rapidement, c'est sûr. Pourquoi pas? Bien sûr. Tenez. Oh. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Ok. Et? Pardon? Je vais rester un peu ici, le temps de reprendre des forces. Ok. Bon, j'ai fait... comment dire... une bonne action dans ce monde pourri jusqu'à l'os. Continuons la route, pas par là, c'est par là-bas. Allez. Peut-être manger un truc ou deux là. Alors, soin. Ouais, tiens, peut-être encore un autre. Alors. Non mais... Oh mais... D'où il sort lui, comme ça, en mode what the fuck, il sort du sol... Wesh, c'est moi les amis. Ça farte. Putain... Saleté de fange. Quoi ça? Parking de Linear Player. Mais je voulais goûter d'homme. Je crois que ça va puer le fangeux là, non? En tout cas, ça pue l'eau. Un rat de cafard qui était là. Ok. Scotch. Il y a un moyen de ça. Tout. J'ai dû énerver une bestiole en coin. Ok, ça sert à rien en fait de passer par là. C'est juste des cafards. Je le croyais entendu. Bah putain. Ah si. Bonjour toi. Okay. Pas très bavard le Hellboy hein. Je vois plus si c'est vraiment Hellboy. Ok. Carbo. Carbo.
machin, un peu. Même pas bouffer du corbeau, tiens. C'est calme l'endroit quand même, je trouve. Qui fait ça, cette route là. What? Oh my god. Pourquoi il y a ce robot là? Pourquoi? What the fuck? Putain. Est-ce que j'ai des. J'ai plus de grenades quoi. Sauvegarde. Mais sérieux là, le robot là, il sort d'où là, avec ses gales clean là, en plus après il s'explose. C'est bon. De toute façon j'ai pas fait grand chose. Excusez-moi. Je vous en supplie, vous avez du radoway. Je crois que ouais, je vais ouais, mourir. Oui, je vais t'en passer. Hein. Bien sûr. Tenez. Oh. Merci. Vous m'avez sauvé. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, faisons la bonne action. En fait, je sais pas si j'y vais en fait. Bon, j'ai rien trouvé de très cool, donc même si c'est pour récupérer quelques bordels, ça me sert à que d'elle. De toute façon, il faut que j'aille par là-bas. En tous les cas, j'espère qu'il y aura pas le robot. Code jaune, ok. En mettre un code jaune, moi, tu vois. Pierre de coup. Ça, c'est pas mal, une pierre de coup. Putain, c'était quoi ce machin? Un fangeux chasseur luminescent légendaire? Ah mais qu'est-ce que c'est ça? 10% de chance des armées d'attaquer encore corps. Ouais. Ouais. C'était fantastique. J'ai aimé, on va dire, l'objet que j'ai reçu qui va me servir pas grand chose. À ma humble avis. Je crois qu'il faut que je continue juste la route en fait. On va continuer juste la route. Hein. Ok. Découvrir ce machin, cet endroit là, et bon, s'il y a une résistance, je la tue. S'il n'y a pas de résistance, je fais que passer. Le conservatoire de Longneck Lukowski. Ok, ouais, je continue mon chemin. Toilettes publiques. Des toilettes publiques qui. À quelle sorcière c'est là-bas? Il est presque. Donc c'est ça, bien. Hop là.
Apparemment, je suis arrivé. Soldat Hart, Holband Hart. La part du diable, ok. Écoutez, ok, Holoband. Alors, Holoband. Inspecteur, champ de bataille. Non, c'est pas celle-là. Merde. Il faut qu'on parle, Perry. Ton partenaire ne. Non, c'est celle-là. Jeffries, Lee a réussi à faire fonctionner l'enregistreur. Alors c'est ça que vous vous voyez faire quand vous vous êtes enrôlé chez les artilleurs? Transporter des bagages depuis Linwood pour un robot majordome? C'est quoi son nom déjà? Willington? Willingham? Pas maintenant, soldat. Où est passé Connors? Il n'est pas à son poste. Désolé. Le lieutenant a dit qu'il avait trouvé des traces et qu'il voulait voir où elles conduisaient. Le première classe, Martin. Des traces? Quelles traces? Et qu'est-ce que c'est que ça, putain? Connors, où est le reste de son corps? Merde, cette saleté nous a retrouvés. Sergent Lee, prenez la mallette. Ne la quittez surtout pas les yeux. Tout le monde dans le musée, vite! Major, qu'est-ce qui nous a retrouvés? Ok, ça a l'air sanglant, dites-moi, les amis. Alors, on est prêt pour le musée? putain, sa tête serrure. Tu es dehors là, toi. C'est sérieux? C'est officiel, je suis trop lourd, mais toi, c'est pas grave. Bon, cette maison, de toute façon, elle est déjà. Ah, mais what the fuck? Je suis sur le chien. Chaîne de l'autre côté. Ok, faut passer par derrière. Okay. Faut passer par le caniveau là. Je crois, là. Allez, on va rentrer dans ça là. Le sous-sol, allons voir le sous-sol de ce bâtiment. Avant d'aller dans le musée. J'aimerais voir qu'est-ce qui se passe dessous. Ok, bon, on est dedans. On va allumer ça. Qu'est-ce qui se balade là-haut? Je ne sais pas. Ça m'a l'air pas vraiment, vraiment sociable. Je ne sais pas du tout pourquoi je vais rentrer dans ce bâtiment. J'espère que je vais pouvoir le tuer. Hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je veux savoir et je veux pas savoir en fait. Ah putain, mais vas-y, c'est en mode quoi là? Mode de vis, je peux pas ouvrir. Vas-y. Je suis mal pris. Ça y est. Ok. On va faire une petite sauvegarde. Et là, il y a une sauvegarde. Ça me rassure pas trop la bestiole qui est en haut en fait. Elle me rassure pas, mais pas du tout. Elle me rassure aucunement. Oui. Ok. Je ne sais pas, mais. Ça fout un peu les jetons. Je sais pas pourquoi je suis.
s'entraînant dans ce genre d'endroit qu'on finit par se faire bouffer. Ah bon? Je pense que t'as un petit peu raison là. J'ai un petit peu peur pour ma gueule là. J'espère que j'ai quoi riposter cette bestiole. Joli. Juste ça, c'est tout. Bon, à partir de là, on va dire, je vais sauvegarder. Comme ça, j'aurais pas perdu tout. Ok, bon allez. On va faire coucou à la bestiole. Elle est où la bestiole? Elle est où la bestiole? Quand je vais prendre un buff fetch. Ah non! Oh my god! Pourquoi y'a cette bestiole ici? Oh my god! Pourquoi y'a une bestiole comme ça? Oh my god! Qu'est-ce que je fous? Je crois que je vais prendre la pompe, hein. Fuck you! What the fuck? Oh my god! Putain! Bien moché le con. Ok. Bon, maintenant je sais qu'est-ce qui était dans en haut qui était en train de cruncher du soldat mort. C'était très instructif. C'était un peu ouf. Bon. Ok, maintenant je sais qu'est-ce qui est mort, enfin du moins qui a attaqué, qui est mort maintenant là, voilà, ça c'est fait. Donc ça étant fait, normalement ça c'est bon. Encore
d'ailleurs là, ils ont vraiment dégusté. De mes quêtes et on sort de ce bâtiment. Ok, là il y a une fermeture. Ok, d'accord. Okay. Terminal visiteur. Ok. Ok. Voilà, la bestiole est morte. Et dites. De retourner l'épreuve du feu. Ok, je vais parler à Preston. Ok, on va faire ça. Bon, on va finir cette quête là avec le musée. Dedans, sérieux là, peut-être je voulais perdre un truc. Ok, je perds un truc. J'ai quelque chose à faire, mais quoi, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Pourquoi c'est lequel? Il paraît que l'armée a déchargé la première cargaison de M42 ce matin. J'avais juste vu ces petits bijoux sur le papier. Alors le deuxième classe Bertram et moi... Écoutez, c'est pas ce qui t'a retardé, mais... censé me retrouver ici il y a 3 jours. Mais je n'ai plus de provisions. Je vais devoir repartir pour aller chercher des fougères. Je comprends c'est quoi, pourquoi la quête? Solomon est prêt à les payer aussi cher. Parce que... Laisse-moi te dire. Plein de décorcheurs. Une douzaine, peut-être plus. Tous réduits en miettes. Sauf celui-là. Pas étonnant qu'elle n'ait pas voulu nous dire ce qu'il y avait dans cette mallette. Si j'avais su... J'aurais personnellement dit au chef des artilleurs et à ce tas de ferraille de Wellingham de prendre ces capsules de Diamond City et de se les mettre en j'pense. Au moins, on sait pourquoi cet écorcheur nous traque depuis Linwoods maintenant. On lui a piqué ses petits. Merde. Peut-être que si on lui avait rapporté ses œufs. Je pense pas. Tiens, salut maman. C'est ça que tu cherches. Ok. Et c'est tout. Ah, on va sortir. Ok. En gros, ils ont volé une écorcheur de ces petits. Ça m'étonnerait qu'elle a dû apprécier, donc ils ont fait Be Quick. Et voilà. Remène-le dans son nid. Sérieux? Ils sont sérieux. Ok. Le mec il va rendre un œuf à un écorcheur. Bon ben je vous ramène le petit hein. Mais me bouffez pas. Dans le coin.
J'achète et je vends. Proposez-moi ce que vous voulez et on verra si on peut s'entendre. Ok. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. J'ai la meilleure ferraille du Commonwealth. Regardez un peu. Vous avez entendu parler de quelque chose d'intéressant récemment ? Rien qui puisse vous intéresser. Bon, j'ai des marchands. Peut-être plus tard. Ok, voilà. Enfin, j'ai pu délester de quelques armes. What ? Ok, ces épées. c'est fantastique. Ok, je vais aller vers là-bas. Ok, donc on met la caméra là-bas. Et on va tout droit. Je viens de pouvoir acheter des munitions de fusil à pompe parce que j'en avais pas du bon. Je suis très gourmand en fusil à pompe. Pourquoi j'ai pas l'autre Là j'ai ça. Et là. Pas ça. Ma carabine de combat, je me disais qu'il manquait un truc. Celle-là. Voilà. Ok, c'est une asile. Oula, je vais pas trop m'approcher. Hein. Il y aura des fous de ghouls là-dedans. Ok, hop là. Passe par là. Ok, fail. J'espère qu'il n'y a pas des monstres. Jamais. Ce que je me rappelle bien, ces bestioles-là, c'est pas vraiment des enfants de cœur des fois. Enfin, tout le temps, je veux dire. Ok, faut que je mette là. Merde. Quoi ? J'ai tombé. Ah non. Parce que quand je crois, je l'ai repris. Je l'ai posé, et je l'ai repris. Comme ça, en mode what the fuck. Ok. C'est bien la quête. Livrer l'œuf et remettre l'œuf dans son. Je préfère retourner l'œuf.
petit spécial, hein. Ok. On se barre. On se barre, on fait jusque passer. Donc voilà, cette quête est finie. Donc ça, il faut que je retourne là-bas, parler au scribe, ok, représailles, rendez-vous à la ferme Albernati. Je crois que c'est cette quête que je ferai, et elle est où la ferme? Ok, bon, on va à la ferme. Vous cherchez du boulot? On a besoin d'aide pour ramasser les melons, si vous avez rien de mieux à faire. Je vous donnerai des capsules en échange. Combien est-ce que tu payes? Oui, des capsules de bouteilles. On s'en sert comme argent, enfin, dans le Commonwealth en tout cas. Votre ferme a l'air de marcher plutôt bien. On s'en sort pas mal, oui. Clarabelle nous aide bien. Ça nous fait de l'engrais gratuit, comme dirait mon père. Tant que ça économise des capsules... D'accord. Je peux donner un coup de main. Merci, c'est sympa. Faites ça quand vous aurez le temps, il n'y a rien d'urgent. Ok, il ne reste plus que beaucoup de tomates. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode, je ne sais plus lequel c'est. Je suis vraiment désolé. Mais on va dire, j'ai pillé toutes leurs tomates. C'était, comment dire, voilà quoi, c'était tomate. Voilà. C'était la petite histoire. Mademoiselle Abernathy. On a de gros problèmes. J'espère que vous serez en mesure de nous aider. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ok. Bon. Vous n'êtes pas du coin, si? Si vous avez quelque chose d'intéressant à troquer, vous pouvez vous adresser à moi. Ok. Laissez-moi y réfléchir. Si vous changez d'avis, faites-moi signe. Ok, je vois signe. Ok, faut que j'aille voir le monsieur là. Faut stopper, quoi. Ouais, c'est correct. Salut. Arrêtez-vous là. On est des gens paisibles et on veut pas d'ennuis. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas d'ennuis non plus. Ouais. Mais attention, on est armé, alors pas de coups fourrés. Croyez-moi, l'agriculture, c'est pas de tourpeau. Dans les champs, tous les jours, du matin au soir. Sans compter qu'il faut constamment avoir des yeux derrière la tête. Qu'est-ce que vous cultivez? Jusqu'ici, surtout des pommates. Mais on va se mettre au melon. Blake Abernathy, c'est la première fois que vous venez dans le Commonwealth? Cette ferme existe depuis longtemps? Plusieurs générations, je dirais. Mon père et son père avant lui, au moins. Et vous? Ça vous dit rien de travailler la terre? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une ferme? Mon père vous aurait parlé de ces trois T. Terre, travail, tendresse. Il faut du terrain, il faut passer ses journées à trimer dessus, et il faut aimer ça. Ceux qui n'aiment pas ça ne font pas de vieux os. Un petit conseil. Si vous montez une ferme, attendez-vous à avoir affaire aux pillards. Pourquoi se crever toute la journée quand il suffit de pointer son flingue et de se servir, hein? Vous avez pensé aux miliciens? Si vous vous engagez, on pourra s'entraider contre les pillards. Ah bon? Je croyais que les miliciens avaient tous disparu. La dernière fois que les pillards nous ont attaqués, ma fille Marie a essayé de leur tenir tête. Maintenant, elle est enterrée derrière la maison. Elle avait que 21 ans, et ils l'ont abattue sans se poser de questions. Vous comprenez pourquoi je suis content d'apprendre que les miliciens sont de retour? Même si c'est trop tard pour ma Marie. On essaye de reformer les miliciens. Vous ne serez plus seul. C'est vrai?
Je vous dis pas comme ça me soulage. J'ai pas grand-chose à offrir, mais... Les pillards qui ont tué Marie lui ont pris son médaillon. Il est dans la famille de Conny depuis des générations. On vous en serait très reconnaissant si vous pouviez nous le rapporter. Ouais, je l'ai déjà. J'ai retrouvé votre médaillon. Vraiment ? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Conny ne va pas revenir. Quels que soient leurs besoins, les miliciens peuvent compter sur nous. On a un bon atelier et Conny vous fera toujours des ristournes après ce que vous avez fait. Ok. Bon, c'est bon, là. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Donc je vous dis à plus tard, c'était Gunshow. Bye bye.